Donc, éliminer Mandal, bref, son nom est what the fuck, il faut éliminer la plante carnivore. Donc, c'est parti, allons éliminer cette plante carnivore. Par contre, comment on descend? Ok, il va falloir descendre par là. Mandala commence à bombarder la base alliée de Grail. Oui, oui, on s'en bat les couilles. On s'en bat les burnes. Donc, hop, monde blabla, tu vas être monde blabla. Voilà, tu vas être mouru dans quelques instants. Bonjour, monde blabla. Non mais... Hop. Voilà. Ah. Hop. Ah. Non. Ça sera bien. C'est pas bien du tout. D'ailleurs, j'ai oublié que j'avais ma petite. Hop, voilà, vous êtes tous morts, c'est bien, je dis bravo. Donc hop, j'active ce truc, et comme ça je peux faire un peu plus mal. Non, j'étais prêt, mais elle va attaquer. Et ça n'a rien fait. C'est magnifique. Ça n'a rien fait. C'est magnifique. Magnifique. Et hop. Le petit coup qui va tuer la petite monde blablabla. Monde Endla. Voilà. C'est monde Endla. Le nom. Donc. Où es-tu passé? Elle est passée là-bas, je crois. Je crois qu'elle est passée de l'autre côté. C'est pas où elle est passée, ce monstre. Ah oui, il est passé là. Non, c'était de l'autre côté. Alors, de mémoire, le vrai est par là-bas. De mémoire, le vrai est par là-bas. Je peux peut-être me tromper, mais normalement, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là, mais on peut toujours là. Faut toujours fait ça, mais ce n'est pas ça. Hein. Mais ce n'est pas celui-là. La vraie, c'est celle-là. La vraie, c'est celle-là. Ah, il faut éliminer les quatre étapes. Ah non, c'est bon. La vraie, c'était celle-là, comme je vous l'ai dit. Vous avez imité les sorties de sa terre. Ouais, les sorties de sa terre. La chère petite mande blabla. Allez, montre tes tentacules. Ah, comment on fait ça? Ok. Wow, voilà. Elle a un peu fumé. Hop. Vas-y, sors de ton truc. Voilà, on fait... ça pour avancer pas mal de choses quand même. Voilà, hop. Vas-y, attaque, nickel. Voilà. Et voilà, tu es morte. Chère petite plante carnivore, tu étais vachement forte.
Je t'ai tué en 2 secondes. Bon, c'est quand même le boss le plus compliqué qu'on a eu depuis le départ. Je dois quand même l'approuver. Had already claimed the Triforce of Power. From Link, she stole the Triforce of Courage. The Triforce of Wisdom was the birthright of the royal family of Hyrule. Yet she bore it when Sia attacked. Once Sia possessed all the pieces of the Triforce, she used its incredible power to bend time and space and open doorways through the ages. Portals to three eras appeared. Lana explained to the others that a gate of souls had been opened in each of these eras, and it was through these gates that the monsters came. By opening these gates, Sia had released the fragment of evil spirit imprisoned in each of the other eras. The task before the heroes was therefore to travel through each portal and close its gate. Once all the gates were closed, they could begin repairing the damage Sia had inflicted on their land. With time growing short, Link and his allies split up to handle all three gates simultaneously. They each vowed to close their gate and return safely. Et voilà, le niveau est terminé. La fin est assez costaud quand même. Elle est assez pas mal quand même. C'est un peu le monde se barre en couille.
version Link Hyrule Warriors. Voilà. En tout cas, c'était ce niveau. C'était un très 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 bon niveau, comme je vous l'ai dit. Donc là, on a obtenu le drap John Mojo, une branche contenant le pouvoir du vénérable arbre Mojo. Utiliser l'attaque spéciale pour planter ces graines qui éclorent après un certain temps. Leurs attaques vous surprendront. Et ça, c'est que pour Lana. Après, un grimoire de l'esprit, spectre du temps, lyre de la déesse. Ok. Ornement du casque de Volga. Spore toxique de Mandanla. 8 pierres de machin et 8 pierres de 34 de machin chose. Et voilà, donc là le scénario il se découpe un petit peu. On peut aller soit du côté. Alors, Link peut à présent augmenter sa palette d'attaque, créant le badge d'attaque Kyrie. Non, on va pas le créer maintenant. On a le chemin du monde du péril, le chemin du terre du crépuscule ou le chemin du Célestbourg. Donc, entre guillemets, c'est un peu Zelda TP en haut. Non, c'est pas Zelda TP, c'est Ocarina of Time en haut, Zelda TP au milieu et Skyward Sword en bas. Donc, on va commencer par Monde du Péril. Ah non, on va peut-être pas commencer par Monde du Péril. Hein. De mémoire, le Monde du Péril, il est assez chaud. On va commencer par Célestbourg. Et on remontera jusqu'au Monde du Péril. Donc, on commencera par Célestbourg. On fera toute la timeline. On ira au Terre du Crépuscule. On fera toute la timeline. Et on terminera par le Monde du Péril. Parce que le Monde du Péril, de mémoire, j'en avais bavé. Hein. Et j'étais pas le seul à être bavé d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de vidéos où à chaque fois le monde du péril était assez étonné. Du coup voilà. En tout cas j'espère que les vidéos vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous retrouverai pour l'épisode 5. On fera du coup Célestbourg. Sur ce, bye bye, à la prochaine.